Aujourd'hui, en demi-finale face au Burkina, quel est votre sentiment? Il n'y a rien qui est facile dans cette compétition. On savait que ça n'allait pas être facile, mais l'essentiel pour nous, c'était de se qualifier pour le prochain match, et c'est ce qu'on a fait. Une deuxième finale de rang en Coupe d'Afrique pour le Sénégal, ça n'est jamais arrivé. Comment vous pouvez aborder ça? Voilà, c'est ce qui n'est jamais arrivé, surtout au Sénégal, c'est de gagner une CAN. On est venu ici pour ça et on espère qu'on va remporter cette fois-ci. Et qu'est-ce qui vous a permis de remonter la CAN? Avec la confiance et l'expérience, ça allait revenir naturellement. On n'a pas eu beaucoup de préparation. Il y a des joueurs qui étaient en vacances, il y a des joueurs qui ont beaucoup joué avec leur club. Donc forcément, si on n'a pas de préparation, il faut un peu de temps pour trouver cette cohésion d'équipe. Avec les cas Covid, on avait beaucoup de difficultés quand même en début de compétition. Mais on savait qu'avec au fur et à mesure de la compétition, on allait revenir en forme et aller jusqu'au bout. Et vous, personnellement, comment vous jugez votre performance? Moi, je me sens très bien dans le groupe. Je respecte les consignes du coach qui me demande de rester plus haut, de laisser les défenseurs sortir le ballon. Même si ce n'est pas ce que je préfère, mais voilà, je fais ça pour l'équipe et je sais que c'est ça qui est bon pour l'équipe et c'est ça qui va nous faire gagner. Et votre but avec Nampalis, vous en pensez quoi? Ouais, Nampalis, on sait qu'il a beaucoup d'expérience et c'est un joueur qui nous soulage beaucoup sur le plan défensif. Il est là, le petit. On connaît ses qualités. Et c'est un joueur que tout le monde apprécie. Il est discret, mais sur le terrain, voilà, il est là, c'est un guerrier. Il récupère des ballons, il est à la première relance, c'est pour ça que je lui laisse cette tâche et j'essaie de me projeter un peu plus pour aider un peu plus offensivement. Dans cette équipe, il y a un gamin qui suit votre place, qui est de Djamba, Bambadien. Comment vous analysez cette performance? Ouais, c'est mon petit frère. Comme je l'ai dit, il faut prendre du plaisir, il faut te lâcher, il faut profiter parce que c'est pas donné à tout le monde de venir en équipe nationale et surtout de jouer des CAN. Lui, c'est sa première CAN, mais il a montré qu'il avait beaucoup de caractère et qu'il avait beaucoup d'avenir. Je lui dis souvent, lui et Pamatar, qu'ils sont l'avenir de cette équipe. Donc on essaie de les aider, de les pousser et surtout de leur montrer la voie et qu'ils continuent de travailler parce qu'il y a beaucoup qui sont passés là, qui ont beaucoup de talent mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc il faut travailler et surtout ne jamais relâcher. 4 dans une carrière, quand même vous êtes prêt à continuer l'aventure.